J'imagine que les autres ont trouvé un moyen plus facile de descendre. Maintenant, où sont-ils? Je ne peux pas encore faire ça. Je sens quelque chose dans cet endroit. Quelque chose que je n'ai pas ressenti depuis l'enfance.
quand mon père était fou de colère. Que je me cachais avec mon frère et qu'il me racontait la légende de Pania des récifs. Je me souviens que j'avais l'impression que l'océan m'appelait. Je voulais m'enfuir, me réfugier dans une mer de silence. Et aujourd'hui, je regarde ces récifs et ce sentiment me revient. Je vois la chevelure d'algues de Pania se faufiler entre les épaves. Je sens ses larmes dans les embruns. Lara a raison. Cette île est maudite. Il y a de la colère. Et cette colère nous retient. Si par malheur je devais être le seul survivant, je laisserais Pania m'emmener avec elle. J'irai rejoindre mon frère dans les vagues. Il faut que je trouve quelque chose de plus solide. Je suis là. Lara. Alex va regretter d'avoir raté ça. Oui. Où est Alex? Ah, il est retourné sur l'Endurance récupérer des outils pour Reyes. Jonah, essaie le treuil.
Alors c'est notre meilleure chance, n'est-ce pas? On doit essayer. Contente que tu te joignes à nous, Lara. Comment je peux vous aider? Va aider Jonah. On doit pouvoir le soulever en douceur, en utilisant une sorte de palan. T'as raison. On devrait pouvoir en fabriquer un avec des poulies. Il y en a peut-être dans ces cordages là-bas. Je vais aller voir. Sois prudente, Lara. Je vais voir si je peux faire marcher cette arme. D'accord. Moi, je vais démonter tout ça et préparer le moteur pour le palan. Et moi, je peux me rendre utile? Oui, pousse-toi de là. Tu crois que ces trucs fonctionnent encore? Il faudrait les nettoyer, mais oui, ils devraient marcher. J'espère qu'ils ne serviront pas. Sam, fais attention. C'est bon, Lara n'est pas la seule. Merde! Attention, Sam! Désolée, je suis désolée. Hé, c'est pas grave. Calme-toi. Et ne touche plus à rien. Combien de temps une fois qu'on aura déposé le moteur? Quelques heures, si Alex me trouve les bons outils. On devrait être prêt à partir demain matin. À condition qu'Alex bouge son petit cul. Sam, si c'est arrêt rapide, on devra pousser. Aussi simple, nous l'aurions fait. Mais en attendant, Jabba livre sous 24 heures à Dakar et 72 heures en région. Jabba.sn. Abracadabra, et c'est réglé. Thank you.
Finn, bougez pas, ça doit être eux. Qu'est-ce qu'on fait? Faire de là et les toits à couvert. J'ai besoin d'aide par ici. Arrête de tuer. Encrier était utilisé par les scribes au service de la... Il y a une petite gravure indiquant qu'il appartient à un ambassadeur impérial. Alex devrait déjà être revenu. Alex! À moi! C'est Dr. Whitman. Soldat! Alex! Combien ils sont? Je ne sais pas. Vous êtes blessé? J'ai vu personne. J'ai dû leur faire peur. J'ai couru comme un dératé. Et vous avez à peine transpiré? Il faut croire que j'ai des ressources. Vous auriez pu les mener jusqu'à nous, comme vous l'avez fait au palais. Quoi? Ça ne s'est pas passé comme ça, Lara. Ils m'ont capturé quand vous cherchez Sam. Mais de quoi vous parlez? Ils m'ont clairement dit que c'était la condition pour vous sauver la vie. J'ai tenté de vous prévenir. On n'a pas le temps pour ça. Écoutez, je ne sais pas quel est le problème entre vous, et pour être franche, je ne veux pas le savoir. J'essayais simplement... Bon, vous l'ouvrez encore, et je vous promets que je vous explose votre magnifique dentition à coups de crosse. Si on commence à se disputer, on est foutus. C'est vrai. On oublie ça et on passe à autre chose, d'accord? Je vais chercher Alex. Où étaient les outils? Dans la salle des machines. Mais tu sais, Lara, Alex est un grand garçon. Tant mieux. Alors ce sera pas long. Lara, attends! Tiens, prends cet arc. Je l'ai gardé pour toi depuis que je l'ai trouvé. Il est puissant. Ces flèches transperceront presque tout. Merci, Jonah. Thank you.
ne peux pas encore faire ça. T'as besoin exactement? Alex, on se faisait un sang d'encre. J'ai besoin d'une barre de rupture et du reste de mes outils. Sinon, je peux pas réparer le bateau. D'accord, je m'en occupe. Lara se dirige vers toi. Tu ferais mieux de l'attendre. Lara? Non, non, c'est pas la peine. J'y vais. Je fais silence radio. Alex, qu'est-ce que tu fais? Un peu roussi sur les bords, toi. Qui est devenu ton propriétaire? Elle a aussi utilisé Dimitri et Nicolas.
quelqu'un à la place du Boris. Il dirait une opération de récupération de matériaux sur le bateau. Quoi? Passer tous les enfants. Encore un nom gravé dans le bois. Coco. Cet objet faisait-il partie d'un ensemble de statues? Je me renseignerai si j'arrive à quitter cet endroit. Thank you.
photo de deux petites filles. Ce portefeuille appartenait à leur père. Les noms sur la photo. Millie et Coco. J'ai trouvé leurs jouets. Qu'est-ce qu'est devenue cette pauvre famille ?